Créée en 1961, la Coupe Georges Baptiste est un concours de service en salle des jeunes maîtres d'hôtel. Cette année, c'est le lycée des métiers Jean Monnet à Limoges qui accueille l'épreuve. On se bat pour justement que le service soit partie intégrante dans un restaurant, ce qui est très important. La Coupe Georges Baptiste est ouverte le matin aux professionnels de la restauration âgés de moins de 35 ans. Première chose, c'est la connaissance du produit. Donc là, on lui pose, nous, les questions en lui demandant d'où vient la selle d'agneau. Et ensuite, on le note avec mon collègue sur la dextérité. Parce qu'il fait ça devant le client. Donc la rapidité pour que le client mange chaud et voir comment il manipule. Ici, il connaît bien son produit. Dans nos métiers, bien sûr, outre la technique du découpage et du service, on note quand même beaucoup le savoir-être et puis la communication que le candidat peut avoir avec son client. Je vais être plus sur la prestance et sur le détail. Chaque candidat arrive, il y a une prestance à avoir, il y a le sourire, l'accueil, le découpe, l'explication, il y a beaucoup de choses à connaître et en peu de temps. C'est un poivre qui est de la même famille que le poivre de Sichuan, peut-être que ça vous dit plus quelque chose. C'est raconter une histoire. Donc quand on commence à raconter une histoire, nous on va gratter un petit peu pour voir ce qui se passe en dessous, si on maîtrise le sujet, donc on peut très bien partir. On est parti donc sur le chou rouge, sur les pommes, sur l'agneau, est-ce qu'il y a d'autres agneaux, quel vin vous pouvez nous conseiller, etc., etc. Donc les clients sont demandeurs de ce genre d'histoire. On ne vient pas uniquement pour déguster une bonne viande, on veut qu'il y ait... Voilà, on demande conseil, on lui a demandé comment il était cuisiné. La candidate a su nous expliquer, donc l'agneau avait été cuit de deux façons différentes. Et puis en effet, après, nous parler de la garniture, des produits locaux, et puis après on élargit un petit peu plus pour savoir son degré de connaissance. Vous préparez donc le dessert que vous avez choisi, qui est une pomme AOP du Limousin. Oui. Donc ce sera flambé devant vous à la gauloise verte. Et tout part de l'accueil. Si vous recevez les clients comme il se doit, il y a déjà 50% de gagné. Je pense que l'accueil manque énormément dans nos restaurants. Je ne conçois pas qu'un serveur soit habillé comme le client. Après, c'est la boisson, c'est le service, c'est le suivi. La chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un spectacle. Hein. Le centre d'intérêt, c'est le client. On est là pour lui faire plaisir et lui proposer un joli produit final. Il faut arriver à être professionnel, à être souriant. Je suis issu de la salle, hein, donc c'est vrai que je suis plus à l'aise devant une pièce de viande ou un plateau de fromage ou un flambage qu'avec un shaker dans les mains. Mais après, tout s'est bien passé pour moi. Donc nous verrons. Et voilà, notre préparation, messieurs, est terminée. Les arts de la table prennent toute leur ampleur avec ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, tous ces ateliers absolument extraordinaires qui prônent l'excellence, ce qu'on essaie de faire nous dans nos manufactures, l'excellence des décors, l'excellence de la présentation. Et on comprend aujourd'hui que cette chaîne ne peut pas être rompue et que tous les acteurs, quels qu'ils soient, sont importants et ont un rôle extrêmement important à jouer pour construire tout ce qui fait les arts de la table, comme on les appelle. Pour le sentir, je me permets de le couper, donc comme je l'avais dit, le cœur de meule, la pointe, et également le goût, la odeur. C'est là que je pose la question, c'est quoi ça? Voilà, et j'attends une réponse. Je ne peux pas vendre quelque chose que je ne connais pas. Vous imaginez, si vous allez chez le marchand de voiture, que vous posez la question sur la voiture, qui dit, je ne sais pas comment ça marche. On se documente en appelant les producteurs, en se renseignant directement en allant à la production. C'est là où on va avoir les vraies sources en tout cas. Et puis Internet aujourd'hui qui a changé les choses et qui permet d'avoir une multitude d'informations aussi. On a besoin de connaître le producteur, sa production, comment il la fabrique, les lieux si on peut visiter. Et puis faire une petite caresse aux chèvres, aux brebis en passant quoi. Parler au client, tout simplement. C'est ma discipline et c'est celle que je préfère. Être en face du client et pouvoir argumenter, transmettre, dialoguer et communiquer. Chaque fois qu'on arrive devant un atelier, il y a de l'excellence et on ne le maîtrise pas nous, mais il est nécessaire et c'est ce qui fait toute la joie de la présentation d'un plat, de la dégustation d'un plat, c'est un ensemble de choses. Et c'est de perpétuer en tout cas et de continuer l'image, la transmission dans la restauration pour moi. C'est sortir aussi de ces sentiers battus. On a l'habitude de travailler différemment dans son restaurant tous les jours.
et de faire des concours qui nous obligent à nous dépasser, à aller plus loin dans l'argumentation, dans la recherche, justement. C'est ça qui m'a motivé pour aller faire ce concours. L'après-midi, près d'une quarantaine d'élèves des lycées hôteliers de France qui avaient gagné leur ticket pour la finale se sont affrontés. Argumentation commerciale, épreuves pratiques et techniques, ateliers viande, poisson, fromage, desserts et boissons étaient au menu. À l'issue de la journée, les candidats, jury et sponsors se sont retrouvés à l'hôtel de ville où les résultats du concours ont été annoncés. Donc je te félicite, Yannick Deschamps.